Comment va? Allô? Tu es en France pour l'animation? Maintenant, l'animation en France. Ah, c'est bon. Pardon, excuse-moi. Oui. Il faut prendre le gros qui parle. Tiens. Voilà. Ok. Ah, il s'appelle comment? Roger. Là, ça, c'est un prénom que les guerriers adorent. Roger. Doyen Roger. Ah, ça y a Nyonyon. Voilà ton fils. Ah, ça m'a guère beau. Cinquième mot. Moi, je parle guéri aussi. Hein. Ah, on sait, on guéri. Ah, on sait. Guéri. Quand le guéri a réussi, c'est trop intéressant. Maman, tu veux une photo? Voilà. Voilà. Toi aussi, tu veux une photo? Et ton père? Tu as fini? Ah, ok. Et là, on sait, on guéri. Ah, on sait, qui est bon. Ah, on sait, qui est bon. Ah, non, mais qui est bon. Ou à qui est Comprenez-moi, je suis un guéri qui est né à Djamé. Donc dans mon guéri, il y a des mouchis souvent. Un guéri de mouchis. Hé, hey, grand frère, je vais faire comme ça. Grand frère, sois net. Oh, applaudissez ce monsieur, pardon. Ouais. Alors, il est où mon grand frère qui tenait le micro? Aïe, tu vas dire facilement. Viens. J'espère que c'est pas ce que tu fais ici. Hein? Tu vas pas dire facilement ici. Hein? Ah, d'accord. C'est une bonne chose. Kamanoua, je m'assois un peu d'abord et puis ma guédé, mais qu'est-ce que je fais? Hein? Hey, voici ma tante là-bas. Tanti. Vous voyez? Ma. Assez. Ah, maman, dit ouais, bon, ah, ouais, les gars, ouais, comme les gars, ah, toi, allez, on va dire. Alors. Tati Rose, je parle même plus, c'est bon. Venez prendre le micro, j'allais m'asseoir un peu d'abord. Ma Dédé, mais on dit on est ici jusqu'à 4h du matin. Je commence un peu et puis je vais m'asseoir. Et puis je reviens encore. Ou bien je fais tout et puis je m'en vais. Donnez-moi mon programme, je vais faire ce qu'il y a à faire. Non, on dit il y a un deuil, viens pleurer. Mmh, doit être un funérail, hein. Funérail aussi, guéri est fort dedans. Non, c'est dans funérail, j'ai vu que guéri est fort. Oui, quand un guéri a réussi, il te fait une phrase à une réunion guéri. Il va te donner d'abord deux mots guéri, cinq mots français. Bon, que nous avons un problème et les gens sont venus pour régler ça. Mais pourquoi depuis nous sommes assis ici, on ne fait que parler pour dire voyez le directeur général et puis on va dire à blessé bien au délire maintenant. Mais il faut que quelqu'un et nous, on va se déplacer pour aller voir aussi le directeur général pour expliquer son problème. Ça, c'est le guéri qui fait ça. C'est-à-dire quand ton ami qui n'est pas guéri t'accompagne dans une soirée guéri ou bien une réunion guéri, quand vous sortez, tu veux lui expliquer, il dit non, laisse tomber, j'ai tout compris. Alors, je suis là ce soir parce que on va faire le show. Je sais qu'il y a eu une réunion avant que je n'arrive. Je n'ai pas voulu participer à la réunion parce que ma tête ne peut pas réfléchir comme vous êtes trop intelligent. Pour moi, là, c'est pour venir faire amusement. Or, vous avez le programme de tous les web qui sont dans l'ouest là-bas. Donc, j'ai dit, bon, réfléchissez. Moi, je viens pour faire le show artistique pour vous. Je vous remercie parce que j'ai déjà eu. Et n'étant pas ici, j'étais ici. Je suivais la réunion de loin. Et je savais ce qui se passait. C'est pourquoi je vais ce soir remercier mes amis qui m'ont accompagné. Ils ne sont pas ouais, mais c'est des gens avec qui je travaille. Et à chaque fois quand j'arrive, il m'accompagne partout où je suis. Le monsieur là, nous on l'appelle un Guinéen, mais il a un nom qui vient de. Bon, et chez les gens, on voit les gens là.
Il faut l'applaudir. Kanté, Kanté! Kanté, viens, 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 Ouma, viens. Applaudissez ce monsieur. Les transporteurs là. Viens, mon frère. Tu n'as rien à voir avec eux. Lui, c'est un Ivoirien. Voilà. Il n'envoie pas les gens là. Il est pour la justice. Applaudissez-le, Kanté. Merci. Merci, frère. Il y a un jeune bourreau qui est là. Oui, c'est un esclave. Vous savez qu'on marche, il faut avoir tout le monde avec vous. Il y a les esclaves, il y a les transporteurs. Les douleurs, nous tous, on sait que c'est eux qui transportent encore du bois. Donc, c'est pourquoi les gens vont facilement là et ils transportent. Donc, quoi, Bibi? Bien. On l'appelle Jeff en France ici. Tout le monde l'appelle Jeff, Jean-François. C'est lui, Jeff J. Donc il faut applaudir s'il vous plaît. Voilà. C'est un jeune boulot. Il dit, où sont mes parents? Je m'en vais à cette soirée avec toi. Il faut l'applaudir s'il vous plaît. Merci Jeff. Ce qu'il fait là, c'est pas mon show qui a commencé. Hein. Lui, c'est mon jeune frère. Ah oui, viens. Viens, viens, viens. Ah, je n'ai pas, je fais exprès pour ne pas dire le nom de quelqu'un. Mais ça crie, Gino, Gino, Gino. Moi-même, là, je ne voulais jamais quitter la Côte d'Ivoire pour venir m'asseoir en Europe ici. Mais depuis que je suis arrivé, il y a des amis comme les personnes qui sont déjà intégrées. Ils m'ont dit, mais viens, on aime ton humour. Viens, on va te mettre quelque part où tu vas fabriquer quelque chose pour les blancs ici. Et je suis d'accord avec. C'est comme ça aussi, quand j'ai l'opportunité, je donne le micro à mes jeunes frères qu'on ne connaît pas. Parce que moi, on me connaît. Mais lui, on ne le connaît pas. Il faut qu'il s'exprime. Gino, tu vas revenir tout à l'heure. Ça, c'est son talent du Maurice qui l'a monté. Oh, c'est un très bon chanteur. Il est très bon chanteur. Alors, tout à l'heure, quand j'arrivais, on était assis dans un endroit et j'avais envie d'uriner. Je rentre dans les toilettes. J'ai les hommes là, sont occupés. Et tu es allé où? Là, où c'est libre là, c'est où on a mis femme. Et je rentre dans cette toilette là, je veux me mettre à l'aise. Je ressors, il y a une jeune dame qui est là. Monsieur, vous n'avez pas vu ce qui est écrit là? Je dis, j'ai vu. J'ai vu. Moi là, j'ai vu. C'est écrit toilette dame. Mais moi que vous voyez, c'est que je possède. C'est pour qui, ma chérie? C'est pour une dame. Donc ça peut rentrer dans la palette des dames aussi. Ça va? J'ai commencé comme ça. Hein? La messe a commencé. Hein? Est-ce qu'on continue nous? Je suis dedans. Hein? Ah, la ah, bon, c'est que je vais vous demander que chacun commande ce qu'il veut. Parce que l'enfant est passé une commande. Le petit qui a suivi le cordial. Effectivement, l'enfant a suivi le cordial. Un enfant de 5 ans. Il n'a que 5 ans. Et puis à 7 heures du matin, cet enfant de 5 ans, ce dernier cordial, en train de pleurer. Et il y a une tante qui va, qu'elle est dans le quartier, qui va se lever là, parce que c'est elle qui sort les premiers. Sortez! Je n'ai jamais vu ça depuis le Chine. Il y a un enfant de 5 mètres qui est derrière combien? Nous, on est en train de dormir. Nous, voici en train de sortir des maisons. Il est où? Où est l'enfant? Ma Dieu, le voici. Effectivement, l'enfant est là. 5 ans. Derrière combien? Nous, voici. Nous, les doyens du quartier, on suit l'enfant. Bon, comme c'est son corbien, lui, il est devant. Et nous, on est derrière. C'est pas pour nous le corps. Parce que quand il y a corbien, c'est qu'il y a corps. Et on suit l'enfant. Un enfant de 5 ans que tout un quartier suit. Et puis, on suit l'enfant. Après un moment, on a dit, ah, c'est quel corps on suit aujourd'hui? Eh, tanti, excuse-moi, toi qui nous as réveillés là. Demande à l'enfant qui a son corps là, c'est qui? Donc la tanti est sur la porte de l'enfant. Papa,
c'est qui? La femme dit, c'est papa. Ah, quand il a dit papa, elle a dit, ouh! Si un enfant de 5 ans saute derrière, combien? C'est qu'il y a longtemps, sa maman est décédée. C'est un orphelin, vraiment? Parce que si sa maman était en vie, elle allait être à côté de l'enfant. Papa, c'est 5 ans. Il dit ce matin même, on dit, ouah! Ça, c'est une mort fraîche. Et on suit l'enfant. Papa, ça s'est passé comment? Il va expliquer. Ça, c'est un matin, hein? Le monsieur est venu, il s'est dans sa chambre. On dit, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Bah, nous, on s'est levé quand maintenant on rentre dans la chambre de quelqu'un, on voit qu'il ne fait pas, mais nous, on s'est tué dans la maison. Ça. Et puis, j'ai dit, papa, papa, il ne connaît pas. Papa, je veux mon petit déjeuner. Il ne répondait pas. Et puis il est sorti de la chambre, il a monté dans le Kobia. C'est lui qui conduit le Kobia. L'enfant, c'est à cause de son petit déjeuner. Nous sommes réveillés, on a petit déjeuner de l'enfant. Et en Afrique, c'est quel bon petit déjeuner? Si on a trop de l'enfant, c'est 15 francs, même 20, 25 francs. Et tout ça, nous on est dehors aussi, on pleure avec lui. Il n'y a pas quoi dans le Kobia. Son papa là, c'est le conducteur du Kobia. Non! Bon, c'est bon, hein? En tout cas, je sens que vraiment les 20 ans d'animation là, tu es dedans. Tu es vraiment dedans. Parce que, enlève le son qui est en bas, s'il te plaît. Il y a un son qui passe en bas. Hein? Le doyen! Applaudissez-moi, doyen. Voilà. Alors, moi, Gladaï, artiste de Côte d'Ivoire. Je vais aller faire spectacle à l'intérieur. Parce que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Abidjan seulement. Il a attendu. D'accord, je suis d'ailleurs à remplacer, il n'y a pas de problème. Ok. Là, ça y est, donc, David. Voilà. En tout cas, Serge Kassi. Voilà. Il est arrivé avec son staff. On voit dans le même cadre de mes activités pour le film et la culture des Africains de la diaspora. À cette occasion de la réunion de la Fédération des Voyages de la Diaspora, je rencontre Gladaïs Kébé, que nous connaissons bien dans les films, où il est d'Abissiné, dans notre histoire, etc. Alors, il est à Paris, nous avons lui demandé pourquoi Gladaïs est venu à Paris. Mais Paris est une ville de la planète, donc comme Abidjan, comme Dakar, comme Lomé, comme Cotonou, comme Douala, comme N'Djamena, je me promène là pour faire mon travail d'artiste. Donc, pour cette raison, je suis aussi à Paris. Voilà. Et à Paris, je suis là parce que nous avons un souci en Côte d'Ivoire. Il faut le dire, il ne faut pas se dévoiler. Pour cette raison, je suis jusqu'ici. Mieux apprécier ce qui s'est passé à Abidjan. Et avec les frères que quelqu'un a trouvé sur place à Paris, parce qu'on a une bonne communauté quand même.
si il y a toujours, on prend toujours notre famille à passer par nous, on va sur ce terrain, quand on arrive, il y a toujours une connexion. Ce qui demande que vous êtes venu avec un ami qui a vraiment fait une bonne prestation. Merci. Ce soir, vous êtes venu pour soutenir vos frères de la Fédération de l'Ouest de la Diaspora qui a eu une réunion de renouvellement. Ils ont le bureau à Doc, qui a donné la tête de santé. Et surtout, à cette soirée qui est la suite de la grande réunion qui a eu, vous êtes venu pour soutenir. Quelle vision vous avez pour l'Ouest? Vous savez, personne ne peut te vendre plus que ton village, ta famille biologique. Si je suis là, ce n'est pas une soirée où tout le monde est invité. C'est une soirée au sein de ma région où je viens, en Côte d'Ivoire, mon peuple. Donc, je me dis que c'est un peuple qui est fier de moi, de me voir à un certain niveau. Là, donc quand ce peuple est réuni quelque part, je le dois, c'est pas, je ne ferai pas, je ne dirai pas que c'est un tribalisme, mais je leur dois quelque chose, à ce peuple je dois quelque chose. Donc pour moi c'est normal que quand ce peuple est réuni, que j'arrive à porter ma pierre. C'est une ambiance, mon travail c'est d'aider les gens, d'aider tout le monde. Donc pourquoi quand les gens de ma région, de mon exil, mon peuple est réuni, pourquoi ne pas faire un tour et apporter la joie que j'apporte à tout le monde entier et à mon peuple. Surtout que c'est un peuple qui est meurtri par rapport à la situation de la Côte d'Ivoire. Ils ont besoin de s'aider, ils ont besoin de moi, en tant qu'artiste. Maintenant, je suis d'eux pour leur apporter le soutien. Donc je leur dis toujours, calmez-vous. La violence n'est pas la solution. Nous ne sommes pas un peuple violent. Si on est violent, on va envers nous. Acceptons, si ce n'est pas notre doctrine, allons-y, calmez-vous. Donc quand je mets la réunion pour parler du développement de ma région, je le mets. Ça me convient de venir et de leur apporter mon soutien. Quelqu'un s'est retrouvé en Europe pendant le dernier voyage. Il n'avait pas été préparé, mais il est ici. Mais il a laissé un groupe derrière lui, Oniri, la musique Delta, tout le groupe avec lequel il jouait, une nostalgie pour eux, etc. Nostalgie, nous sommes en contact quotidien, tous mes amis, parce que c'est vrai que quand on dit voyage, je suis pas trop quand même, je ne suis pas trop d'accord avec, parce que je suis venu ici parce que c'est mon travail d'artiste qui m'a envoyé. Certes, il y a eu la situation en Côte d'Ivoire, je suis sorti du pays, je me suis exilé, c'est vrai, au Bénin, et ça c'est connu de tout le monde. Mais après, je suis reparti à Dijon. Ici, c'est parce que sur le plan artistique, j'ai été sollicité. Donc, c'est pourquoi je suis là. Donc, on dit que l'innocentie, c'est vrai que le tournage du film est arrêté en ce moment, mais en dehors de ça, on se voyait en privé parce que nous sommes des amis. C'est vrai que le monde, vous voyez, il est là en ce moment, il est en France, il a même travaillé sur une création. L'état, j'ai eu une vidéo au téléphone. On ne se voit plus qu'on se parle. On se parle bien parce que c'est la réponse de ma famille. Donc on va se retrouver en train de travailler. Je vous remercie vraiment pour le temps que vous m'avez dédié. Donc je vous souhaite vraiment beaucoup plus encore de courage et d'aide à vos frères. Sauf que la crise qu'ils ont vécue, tout ce qu'ils ont à faire, qu'ils passent par l'humour que vous dispensez et que vous voyez la guerre pour vous. Oui, merci. Merci à vous. Je dis merci à tous ceux qui ont pensé. Parce que vous savez, l'union fait la force. Quand il y a une situation, c'est ensemble qu'on devient fort. Bien sûr, je soutiens ceux qui ont initié le fait de réunir tous les enfants de la même région pour parler des problèmes de la région, pour parler du développement de la région. Moi, je suis pour. Et je veux encore véhiculer un message de sagesse et de paix. Il faut toujours tendre la main. Quel que soit le mal qu'on te fait, il faut toujours tendre la main. Il faut accepter les autres avec toi. Si nous faisons à l'ouest, nous on prend toujours la main. Je veux aussi véhiculer un message de paix. Je veux demander aux frères en face qui sont aux commandes aussi de poser des actes qui vont aussi soulager tout le monde. Donc, moi, en tant qu'artiste, j'ai des fans dans tous les sens. J'ai des fans de l'autre côté. J'ai des fans de ce côté-ci. Je ne peux que véhiculer un message d'unité. Donc, en tant qu'artiste ivoirien, en tant qu'artiste africain,
je ne peux que demander l'humilité de la part de moi. Et pour cela, je demande en gros des actes.